Vamos a dar inicio entonces a nuestra conferencia de hoy. Tenemos la alegría de recibir nosotros la profesora Lucía Estela del Centro de Investigaciones y Psicoanálisis, Medicina y Sociedad de la Universidad París-Cité. Ella va a disertar sobre Acordanza, que es un dispositivo de atención e investigación en perinatalidad que desarrolló en su tesis doctoral. Antes de presentar a Lucía Estela, les voy a comentar que vamos a tener la presentación seguida de un tiempo para un intercambio. Así que ustedes pueden dejar las preguntas de ustedes en la función de preguntas y respuestas de Zoom, ¿tá? El chat, si no hay necesidad, les pido que no lo utilicen. Quería pedir también a ustedes, caso necesiten un certificado de la presentación o de la participación de ustedes, por favor, envíen un mail a sic@sico.edu.uy solicitando el certificado, ¿no? Una última información muy importante es que la presentación tendrá la exhibición de algún material clínico, ¿tá? Por lo cual ustedes al participar de del evento se comprometen a no hacer ningún tipo de registro de la conferencia, particularmente el material clínico. Enseguida, la conferencia va a ser editada, nosotros vamos a sacar este material y va a estar disponible en YouTube, así que no hay necesidad de hacer ningún tipo de registro por el momento. ¿Okay? Voy a comentar entonces, Lucía es doctora en psicopatología y psicoanálisis, es investigadora asociada al Centro de Investigación en Psicoanálisis, Medicina y Sociedad de la Universidad París-Cité. Es docente en psicología y psicopatología del bebé y vínculos tempranos, en psicología del desarrollo y psicoanálisis. También es bailarín, coreógrafa y docente. Le voy a dar la palabra a Lucía, que nos cuente entonces un poco sobre su investigación. Estamos muy contentos de poder recibirte, Lucía, así que te paso la palabra y te agradezco mucho por tu participación. Merci à vous, Daniel, de m'avoir invité à cette conférence. Je suis très honorée. Alors, on va commencer tout de suite par une citation. Ah, le PowerPoint, il ne fonctionne pas. Yes. Alors, une danse, comme toute œuvre d'art, est une forme perceptible qui exprime la nature des sentiments humains, c'est-à-dire le rythme et les connexions, les liens, rajoutons-nous, les crises et les ruptures, la complexité et la richesse de ce qu'on appelle parfois vie intérieure de l'être humain. La danse serait ainsi une manière d'exprimer des sentiments, les vécus et les éprouvés de cette vie intérieure que la philosophe américaine Susan Langer définit comme le récit interne de sa propre histoire, la façon dont l'être humain se sent vivre dans le monde. L'art de la danse implique ainsi implicitement le récit d'une histoire, une narrativité. D'ailleurs, dans son essence propre, faite d'aller-retour, d'éloignement et de rapprochement, la danse pourrait être considérée aussi comme une métaphore de la rencontre, une métaphore du lien intersubjectif. Mais de quel lien s'agit-il? Dans quelle mesure un lien peut-il danser? Abstrait, imaginaire, infiniment insaisissable, comment peut-il danser? Qu'entendons-nous par danse, par lien? Pour planter le décor de cette conférence, commençons par proposer quelques définitions des termes lien et danse. Du latin ligare, en français, lien est un terme générique qui se décline en liaison, attache, relation, entrave. En italien, on dispose de deux termes, lien, legame et vincolo. Legame, c'est le terme générique du lien et de l'union. Vincolo signifie plutôt entrave, par exemple Saint-Pierre au lien. En espagnol,
on retrouve les termes ligaison et lazo avec les sens que nous leur connaissons en français, et vinculo qui est davantage connoté par le caractère affectif ou contraignant du lien. Ainsi, ficelle imaginaire et symbolique, le lien relie, rassemble, unit deux ou plusieurs objets. La question du lien nous fait entrer d'emblée dans la sphère imaginaire et symbolique de la vie psychique. Cette dernière, la vie psychique, en accord avec René Caes, n'est pas seulement faite des mouvements internes d'intrication et de désintrication, des investissements pulsionnels et des représentations émanant d'autrui, la mère, le père, tel ou tel autre. La vie psychique se forme dans et à travers un espace interpsychique qui a sa consistance propre et dont la connaissance forme progressivement une théorie psychanalytique du lien. De plus, Caes considère que, je le cite, « le sujet se construit dans la pluralité des liens et des alliances dans lesquelles il se forme, le lien étant le mouvement plus ou moins stable des investissements, des représentations et des actions » qui associent deux ou plusieurs sujets pour la réalisation de certains de leurs désirs. Dans sa définition du lien, on entrevoit l'idée d'un mouvement dans la sphère psychique. Or, la danse, qu'elle soit minimaliste, conceptuelle, académique, traditionnelle ou libre, est mouvement. Mouvement interne ou extériorisé, projeté vers l'extérieur ou invisible aux néophytes. Mouvement présent et constant, même dans les moments d'arrêt. Les chorégraphes nous enseignent en effet qu'un équilibre n'est jamais statique, qu'une pause, un temps d'arrêt, n'est jamais complètement arrêté, immobile et sans vie, mais toujours en mouvement. Sensation et de la perception. C'est ce que nous enseigne Goebbels. Il n'y a pas de pensée sans perception, sans sensation, c'est-à-dire que pour pouvoir penser, il faut sentir les choses, voir les choses, toucher les choses, entendre les choses. La pensée, au début, est faite de sensations, et ensuite, il va falloir les mentaliser, psychiser ces sensations pour les transformer en perception, puis en image. Fin de citation. Mais précisons un instant les termes de sensation et de perception. En psychophysiologie expérimentale, la sensation se définit par sa source, l'excitation sensorielle. Pierron, il définit 9 modalités d'excitation sensorielle. Les modalités tactiles, vibratoires, thermiques, algiques, statodynamiques, sonores, lumineuses, sapides, odorantes. Boubli et Konishekis mettent en lumière que, je le cite, le langage courant lie bien les sensations aux 5 sens, mais utilise aussi le mot pour décrire les impressions émotionnelles, affectives, esthétiques, souvent idiosyncrasiques. Plus loin, les deux auteurs précisent que la sensation ne se réfère intrinsèquement à aucune représentation cognitive, alors que la perception est toujours connotée de référence à la mémoire et à la représentation. La sensation est associée à une expérience émotionnelle. Ressentir l'insécurité, l'étrangeté, le vide, le bonheur, ressentir du plaisir ou du déplaisir, etc. En ce qui concerne la perception, cette dernière, elle est très présente dans l'œuvre de Freud. Il la considère en effet comme élément fondateur de l'intégration psychique. Dans Le Moi et le Ça, il écrit en effet que, je le cite, « tout savoir est issu de la perception externe ». Dans cet ouvrage, Principes de la psychanalyse, Freud définit le moi comme avant tout un moi corporel. Il n'est pas seulement un être de surface, mais il est lui-même la projection d'une surface. Et dans la note de bas de page en 1927, il ajoute, je cite, « Le moi est finalement dérivé de sensations corporelles, principalement de celles qui ont leur source dans la surface du corps. Il peut ainsi être considéré comme une projection mentale de la surface du corps, et de plus, il représente la surface de l'appareil mental. L'appareil psychique se construit donc à partir d'expériences corporelles que dans l'interaction peuvent se traduire ensuite en représentation. Ainsi, pour pouvoir se représenter, le lien doit être d'abord vécu dans la réalité sensorielle de l'interaction. D'ailleurs, nous pouvons considérer le processus de formation des représentations comme une danse à 3 temps, si nous suivons les apports de Bernard Goetz.
En effet, il considère la représentation de la place de l'objet, la représentation des liens à l'objet et ensuite la représentation de l'objet lui-même. La représentation de la place de l'objet serait première dans la construction de la vie psychique. Déjà in utero, probablement, le fœtus investirait une proto-représentation des fonctions de ses parents à venir plutôt que telle ou telle caractéristique statique plus ou moins figurative. Je vous rapporte à ces travaux et à ceux autour des liens prénataux pour plus de détails, notamment ceux de Missonnier en ce qui concerne le registre du virtuel ou de Bion autour du concept de préconception, etc. En ce qui concerne la représentation des liens à l'objet, Bernard Goltz nous enseigne que c'est comme si l'enfant, avant de se demander si sa mère est là ou n'est pas là, se demandait d'abord si elle est comme d'habitude ou non. C'est-à-dire que le bébé travaille sur les petites différences, sur l'équilibre entre pareil et pas pareil, notion bien mise en lumière par Julien Vival. Oui, plus de 200. D'accord. D'accord, je fais plus doucement, pardon. La représentation de l'objet, qui arrive en dernier, correspond au concept d'image mentale au sens classique du terme. Image de l'autre, représentation des visages, de lieux, d'objets, etc. D'ailleurs, Geneviève Vague, et j'en profite pour lui rendre hommage par cette occasion, a souvent dit que, d'une certaine manière, le bébé se faisait un portrait d'abord abstrait de sa mère. Un portrait rythmique fondé sur la représentation de ses interactions dynamiques avec elle, avant de pouvoir s'en faire un portrait véritablement figuratif. En définitive, c'est aussi ce qui se passe dans la danse. En effet, ce qu'il nous reste d'un spectacle de danse, c'est le passage d'un point A à un point B, sous forme de courbe, d'oblique, de diagonale, de trajet direct ou indirect, de passage d'une figure à une autre, d'un élan de portée dans les airs jusqu'à la descente du danseur au sol. Tout comme se représentent d'abord les liens avant l'objet, avec l'objet, pardon, avant de se représenter l'objet lui-même, on se représente le mouvement dansé, les qualités du mouvement et les émotions véhiculées par les danseurs avant même de se représenter ces derniers. En fin des comptes, ce qui nous reste est la trace du lien entre deux mouvements, entre deux pas de danse, entre deux ou plusieurs espaces scéniques, entre deux êtres dansants, entre deux dansêtres, pour reprendre l'expression de Siboney, avant même de nous représenter un portrait figuratif des danseurs eux-mêmes. Au sein de cette conférence, je vous propose de réfléchir autour de la danse des liens primaires, pour mieux comprendre dans quelle mesure la danse peut favoriser le tissage d'un lien interpersonnel de qualité. Nous essaierons également de comprendre les liens entre la danse et le soin psychique, entre danse et relations humaines, entre chorégraphie de la rencontre, pour reprendre les termes de Roussillon, et rencontre des liens. Nous discuterons cette articulation, à première vue un peu étrange, mais au fond très évidente, entre l'univers de l'art de la danse et celui des lois psychiques qui sous-tendent les relations humaines, entre mouvement corporel et mouvement psychique. En deux mots, le lien corps-esprit. Cette jonction entre le corps et l'esprit a été conceptualisée par Freud à travers le concept de pulsion. Alors, selon Freud, la pulsion constitue, je le cite, ce concept limite entre le psychique et le somatique. Plus précisément, elle est le représentant psychique des excitations provenant de l'intérieur du corps et arrivant dans le psychique, comme une mesure de l'exigence de travail à laquelle est soumis le psychique en raison de son lien avec le corporel. Fin de citation. La pulsion prend donc naissance dans le corps et son devenir est constitué par l'affect. Ce dernier se compose en premier lieu des innervations motrices déterminées ou des charges, mais aussi en second lieu
de perception des actions motrices suscitées, ce qui vient ajouter une qualité psychique perceptive aux décharges. Donc l'affect est donc une décharge excitationnelle qui se perçoit et se qualifie en quelque sorte. Enfin, on y retrouve les sensations directes de plaisir et de déplaisir qui donnent à l'affect sa valeur dominante, comme nous le dit Paul-Laurent Hassoun. L'affect constitue ainsi l'effet physique du processus pulsionnel. Pour comprendre mieux la complexité de cette articulation entre pulsion, excitation et affect, nous pouvons faire appel à Gréelle Samer. Dans son article « La thérapie par la danse et le mouvement, entre corps, mouvement et parole », elle explicite que, je la cite, « la nature de la pulsion en tant qu'excitation provoque le besoin de décharge sous forme d'action ». Plus loin, elle affirme que, je cite à nouveau, « la décharge physique de la pulsion accompagnée de l'affect coïncide avec le mouvement corporel dans sa fonction en tant qu'acte psychique. Ce qu'en thérapie par la danse et le mouvement, on appelle le mouvement émotionnel et le mouvement lié à l'affect qui intègre la pulsion dans son état psychique inconscient à travers la décharge physique et les sensations. » Fin de citation. En ce sens, la danse, lorsqu'elle relie le mouvement dansé à l'affect, permettrait l'intégration de la pulsion dans son état psychique inconscient à travers la sensorialité qu'elle convoque et la décharge motrice qu'elle implique de manière sous-jacente. En ce sens, la danse a, à mon sens, toute sa place en tant que médiation thérapeutique. Pour comprendre en quoi le concept de pulsion va nous aider à éclairer ce qui se joue inconsciemment dans l'expérience de la danse, il nous paraît important d'évoquer le parcours de la pulsion expliqué de manière très claire par Marie-Christine Lasnik. Tout d'abord, contrairement à Freud, elle considère que ce trajet apporte une satisfaction pulsionnelle séparée radicalement de toute satisfaction d'un besoin organique et qu'il vient se refermer sur son point de départ. Elle suit les apports de Jacques Lacan. Ce parcours est constitué donc d'un premier temps actif, un deuxième temps réflexif et d'un troisième temps actif-passif. Le premier temps actif correspond au moment où le nourrisson va vers un objet externe, le sein ou le biberon par exemple. Le deuxième temps, le temps réflexif, correspond au moment où l'enfant prend comme objet une partie de son propre corps, la sucette ou le doigt, par exemple. Freud situe le sucettement à ce moment-là, en effet. Et le troisième temps de la pulsion, c'est que le nourrisson se fait lui-même l'objet de l'autre, c'est-à-dire qu'il va chercher à se faire regarder, à se faire entendre. Si nous transposons cela dans le domaine de la danse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par exemple, lors d'une répétition ou d'un cours de danse, on voit que d'abord, dans un premier temps, on observe la proposition du chorégraphe, sa demande, pourrait-on dire. Ensuite, on se voit dans le miroir pendant que l'on reproduit sa danse. Et enfin, on se fait voir, c'est-à-dire qu'on recherche le regard et l'attention du chorégraphe pour avoir un retour sur ce que l'on produit avec notre corps, sur notre manière de danser, sur notre chorégraphie. Et c'est justement lorsque ce troisième temps prend forme, c'est-à-dire lorsqu'en tant que danseur, nous bénéficions du regard jubilatoire du chorégraphe, que nous nous sentons exister en tant que danseur. Cela renvoie au concept du stade du miroir de Jacques Lacan, moment où le bébé se reconnaît avec jubilation dans l'image qu'il voit sur le miroir et en se tournant vers l'adulte, demande la confirmation par le regard et la nomination que l'image perçue le représente, moment pendant lequel la mère ou l'adulte répond « Oui, c'est toi mon chéri ». Par la suite, Winnicott reprend ce concept de Lacan en s'en écartant et en insistant sur le fait que,
je cite, dans le développement émotionnel de l'individu, le précurseur du miroir, c'est le visage de la mère. Que voit le bébé quand il tourne son regard vers le visage de sa mère? Généralement, ce qu'il voit, c'est lui-même. En d'autres termes, la mère regarde le bébé et ce que son visage exprime est en relation directe avec ce qu'elle voit. Fin de citation. Graciela Crespin permet un peu de mieux comprendre ce concept en mettant en évidence que, je la cite, « c'est dans le regard que la mère pose sur le bébé que son image se forme, image à laquelle le bébé va pouvoir s'identifier. » Fin de citation. Le rôle de la mère est ainsi celui de rapporter à l'enfant les effets de la réflexion sur son visage. En effet, en 1983, au deuxième congrès de l'Association mondiale de psychiatrie du nourrisson à Cannes, Papoussek a montré comment la rétine de l'enfant donne aussi une image de la mère qui le regarde. Ainsi, Lebovici définit, je le cite, le stade du miroir dans sa valeur métaphorique. Un bébé qui regarde sa mère voit ses yeux et sa mère le regarder en train de la regarder. Et ce processus permet de faire de sa mère une mère. Processus de la regarder, processus de fantasmatisation, de parentalisation. Tandis que sa mère regarde le bébé réel et imaginaire, la regarder, en train de le regarder à l'intérieur de la représentation. Fin de citation. Nous pouvons transposer ceci dans la danse. C'est dans le regard que le chorégraphe porte sur ses danseurs que leur image se forme, que leur narcissisme se construit ou se solidifie ainsi. Et c'est dans le regard que les danseurs portent sur le chorégraphe qu'il devient le chorégraphe de ces danseurs-là en créant un lien particulier entre eux. Dans son article « Pulsion invocante avec les bébés à risque autistique », Marie-Christine Lasnik considère que, je la cite, « quand il a lieu, ce troisième temps est garant que dans le pôle hallucinatoire de satisfaction du désir, il y aura des traces mnésiques de cette grande autre maternelle, de ce prochain sécourable, le Nebenmensch, comme l'appelle Freud, et plus précisément des traces mnésiques de sa jouissance, de ce moment où la mère sourit. » Trop vite. Oui, pardon. Plus précisément des traces mnésiques de sa jouissance, de ce moment où la mère sourit de plaisir à ce bébé qui se fait regarder ou qui lui offre son pied à croquer. Dans ce cas, nous pouvons être assurés que par la suite, quand il se retrouvera seul, il y aura, chez le bébé, réinvestissement des traces mnésiques de ce grand autre maternel. Nous pouvons donc être certains que son auto-érotisme contient Eros. Sans Eros, auto-érotisme s'écrit autisme. Fin de citation. Voilà qu'Accordance constitue un dispositif de dépistage et de traitement précoce du retrait relationnel. À partir de ces fondamentaux théoriques, nous avons rêvé puis créé notre dispositif de soins et de recherche Accordance qui a constitué le terrain de notre thèse de doctorat intitulée « Entre métapsychologie de la danse et métapsychologie du lien, l'Accordance mère-bébé ». Un dispositif de soins et de recherche en périnatalité. Cette thèse a été soutenue en 2021 sous la direction du professeur Bernard Goertz. Mais avant de plonger dans les détails du protocole de recherche clinique, nous aimerions partager notre réflexion autour du choix du nom Accordance. Peut-être, Marcela, vous voulez faire une petite introduction par rapport aux différentes définitions?
Je peux? Ça marche. Alors, accordance, en hommage au concept d'accordage affectif mis en avant par Daniel Stern, peut s'écrire accordance ou accordance. Dans la première écriture apparaissent le mot accord et celui de danse. Dans la théorie musicale, un accord est la simultanéité de trois ou plusieurs sons ayant une hauteur définie et suivant les lois spécifiques de l'harmonie. Ainsi, l'accord pourrait se définir comme un lien harmonique entre trois ou plusieurs notes. La succession et la récurrence des accords dans un morceau musical tonal définit le phénomène rythmique. Autrement dit, en musique, le rythme se définit comme une succession de sons caractérisés par des durées entrecoupées de pauses dans le cadre donné par le tempo, qui suivent en général un ou plusieurs modèles cycliques. Le rythme donne du mouvement au morceau musical. Il donne l'andatura, l'andamento, l'allure du morceau, en termes de vitesse, mais aussi de qualité expressive des nuances du morceau musical. Or, la danse est un art où le mouvement devient geste dans une adresse rythmiquement accordée à l'autre. D'ailleurs, en accord avec l'arcrose, le rythme constitue le point de départ de toute configuration de la danse. À ce propos, les apports de Benoît Le Sage sont très intéressants. Il précise, je le cite, « Si le rythme se joue avant tout de façon kinesthésique, il importe de le travailler relié au mouvement, à la modulation tonique, au jeu des appuis et du poids, de la respiration et de la voix, dans une relation au sol, aux éléments, ou à autrui. » Fin de citation. Accordance nous paraît ainsi la voie royale pour mettre au travail cette articulation entre rythme, mouvement, tonus, poids, appui, affect. Articulation qui est très déliée chez les dyades que nous rencontrons dans nos unités périnatales. En fin des comptes, je cite, pensez à la danse comme le déploiement d'une interaction de force auquel s'ajoute un processus de tension, équilibre et déséquilibre, rythme. N'est-ce donc pas une façon intéressante de se référer aux accords des accords dans une dyade? Se questionne Victor Guerra. C'est exactement ce que nous mettrons au travail tout au long de cette communication. Mais précisons maintenant la deuxième réécriture, à corps. Danse. Cette deuxième réécriture fait apparaître le mot corps. Ici, nous nous référons au corps dans ses différentes acceptions. Le corps physique, sensible et matériel de l'être humain, le corps anatomique, mais aussi le corps somatique, le corps organique, le corps pulsionnel, tel qu'il est défini par Laurent Hassoun dans son ouvrage. Dans son ouvrage Corps et symptômes. Alors, le corps physique, du grec physis, on l'entend dans le sens de nature du corps, de sa physionomie, donc tout ce qui est en lien avec la forme, les traits, la taille, l'attitude. Le corps somatique, du grec soma, dans le sens du corps perçu de l'intérieur, du point de vue interne du sujet. Le corps organique, du grec organikos, on l'entend dans le sens d'un agencement articulé d'organes. Et enfin, le corps pulsionnel, qui est le corps propre à la psychanalyse. En tout cas, la psychanalyse nous apprend qu'il existe ce corps pulsionnel, donc un corps du dessous, le vrai corps duquel émerge quelque chose, un reste, une douleur intempestive, sans cause apparente, une jouissance intraitable, qui laisse soupçonner que ce corps du sujet vit aussi d'une vie qui semble défier quelque peu la vie organique ou lui donner sa vraie signification. Voilà ce qu'il nous dit Paul-Laurent Hassoun. Et c'est ce corps du dessous, ce corps invisible, ce corps pulsionnel, ce corps inconscient qui ancre notre dispositif accordance dans une démarche psychanalytique.
Accordons son corps lion, pourrait-on dire. Notre hypothèse est donc qu'un corps dansant, un corps qui danse aussi bien dans la réalité physique que dans la réalité psychique, est un corps qui crée du lien. Nous ne voulons pas avoir la prétention de proposer la formule « Dis-moi comment tu danses et je te dirai comment tu te lis aux autres ». Plutôt, nous voulons mettre en évidence que traverser les différentes qualités de mouvement seul et avec l'autre, grâce à l'art de la danse, permet d'élargir les possibles qualités relationnelles dans la vie de tous les jours et dans son rapport au monde et à l'autre. Vivre dans sa chair certaines qualités de mouvement véhiculant certains vécus émotionnels permet une transformation et de nouvelles possibilités dans le quotidien de la rencontre avec l'autre. C'est ce que la clinique Accordance nous a permis de mettre en avant au sein de nos recherches. Pour mieux comprendre les extraits de la création chorégraphique des interactions d'une dyade qui a participé au dispositif Accordance, je vais vous présenter d'abord les différentes étapes du protocole. C'est sous forme d'un dialogue que j'ai pensé au dispositif Accordance. D'abord le temps de la mère, puis le temps du bébé, pour expérimenter d'abord seul, puis ensemble, certains vécus corporels parfois oubliés, parfois jamais expérimentés. Seulement après, une chorégraphie des liens pourra se créer, où tantôt c'est la mère qui guide cette accordance, tantôt c'est le bébé qui se fait chef d'orchestre de cette symphonie sensorielle et chorégraphique propre à chaque dyade. Le bébé initie ainsi la relation et le circuit pulsionnel peut enfin se boucler. Le dispositif se compose en quatre temps. Une prise de conscience de l'état de corps dans l'ici et maintenant, où la mère va d'abord visualiser son état corporel et émotionnel, puis va observer ce que raconte le corps du bébé. Un temps d'échauffement et d'éveil de la peau à travers des automassages chez la mère et des massages du bébé, en cherchant le dur et le mou, en éveillant la musculature profonde par des tapotements et enfin rendant sensible toute l'enveloppe corporelle par des pressions dessinant le contour du corps. Un temps d'improvisation qui se compose de deux grands temps, un temps d'exploration des appuis au sol, où la mère en fait expérimente seule ses appuis, le contact de son corps avec le sol, pendant que le bébé explore sa motricité libre. Et ce temps d'exploration amène progressivement à des jeux d'imitation entre la mère et le bébé, jusqu'à amener la mère à se faire surface d'appui pour son bébé. Le deuxième temps, c'est un temps de danse à la verticale, où la mère et le bébé expérimentent l'éloignement et le rapprochement mutuel. Puis, on termine avec un retour au calme, avec une berceuse d'au revoir, tant où nous accueillons aussi la parole des mères et des bébés sur leur vécu de la science. Ce dispositif a duré pendant 2 ans. Le traitement approximatif pour chaque dyade, c'est de 1 an. Et en ce qui concerne l'équipe, donc ce dispositif a été animé par moi-même, qui suis psychologue et danseuse, et une psychomotricienne. Et on avait aussi un observateur, enfin plutôt une observatrice qui était présente lors des séances, qui occupait une place importante à la fois pour la retranscription après coup de chaque séance, mais aussi pour l'élaboration du matériel clinique recueilli selon donc une application de la méthode d'observation du bébé Esterbik, ce qui permettait, ce qui assurait du coup la fonction d'arrière-plan selon les travaux de Geneviève Hague. Alors, ça, je le garde pour éventuellement pour la discussion. Je préfère avancer un peu. Alors, par rapport à la récolte des données, alors, en ce qui concerne
les données. Donc, on a trois étapes. Une première étape où il y avait un entretien préalable où, avec la collègue psychomotricienne, on rencontrait chaque dyade pour faire un petit peu l'état des lieux de la relation entre pour voir ce qui se jouait entre la mère et le bébé. Ensuite, les séances accordances à proprement parler. Et la troisième étape, c'est un entretien de fin de prise en charge pour faire un petit peu un bilan sur tout le parcours de la dyade. Nous avons analysé d'un point de vue qualitatif, dans un premier temps, les entretiens cliniques, enfin les entretiens de début et de fin de prise en charge. Ensuite, les séances accordances. D'abord, selon une analyse linéaire, c'est-à-dire séquence par séquence, à l'intérieur de chaque séance. Ensuite, nous avons extrait certaines thématiques récurrentes qui revenaient au fur et à mesure des séances. Nous les avons analysées de manière longitudinale dans un premier temps, donc dans le temps, et puis nous avons fait une analyse transversale, donc chaque thématique, voir comment elle était, comment ça se présentait pour chaque dyade. Alors, en ce qui concerne ces analyses, ces analyses ont été effectuées par moi-même, donc qui était à la fois chercheuse et thérapeute, ce qui constitue donc un biais de subjectivité que nous avons, auquel nous avons fait face en analysant notre contre-transfert en tant que thérapeute et en tant que chercheuse. Pour conclure, nous avons vu comment, en accord avec Benoît Lesage, je cite, le rythme peut soutenir un travail psychique de symbolisation qui peut renvoyer aussi à la dialectique soit autre ou dans une perspective lacanienne soit grand autre. De plus, il soutient un travail psychique étroitement articulé à celui du corps qui associe des enjeux toniques, posturaux, moteurs, émotionnels, symboliques. Fin de la citation, ce que nous retrouvons dans la danse. Le travail de rythme, sous ses différentes formes, à savoir le tapotement, les rythmes vocaux, les percussions corporelles, la rythmicité du déroulement des séances ainsi que leur régularité, permet donc de créer un espace entre la mère et l'enfant, ouvrant ainsi la voie pour expérimenter la séparation et l'éloignement, la continuité et la discontinuité. La création d'un espace, l'expérience de l'éloignement et de la distance rythmée et répétée dans le temps, ferait un chemin pour le processus d'intersubjectivité et de subjectivation du bébé. C'est seulement lorsque la mère expérimente sur elle cette rythmicité et cet accordage harmonique avec elle-même et avec ses propres états tonico-émotionnels qu'elle pourra ensuite être dans un partage esthésique tel que le décrit René Roussillon, et s'ajuster à l'état affectif de son bébé. L'espace que la danse crée entre la mère et le bébé permet ainsi que ce dernier puisse prendre une place de chef d'orchestre, initiant ainsi la relation. La boucle pulsionnelle peut ainsi se refermer. La mère et le bébé deviennent enfin sujets, acteurs de leur danse singulière, rendant ainsi possible la création d'une chorégraphie de la rencontre primordiale. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Muchas gracias, Marcela, también por la interpretación, también siempre excelente. Vamos a dar inicio entonces a un intercambio. Recuerden que pueden hacer preguntas por la herramienta del Zoom y ahí lo vamos ordenando y encaminando para que Lucía pueda hacer la respuesta.
Lucia, pouvez-vous de tenir le partager l'écran? Si nous pouvons voir. Le partage, oui. Tout à fait. Parfait, merci. D'accord. Hay una pregunta acá ya de Micaela. ¿Dónde puedo encontrar este trabajo por escrito? Es una tesis de doctorado, ¿no? Pero también vamos a... Lucía tiene una publicación también en la psiquiatría de infancia, ¿no, Lucía? No sé si le llega la traducción de Marcela. Oui. Alors, il y a plusieurs articles qui ont été publiés. Il y en a un qui a été publié dans le journal de neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Mais si vous voulez, après, je peux vous les mettre. D'ailleurs, vous allez trouver tous les articles dans le site internet accordance.eu. Je peux le marquer peut-être ici. Voilà, sur ce site-là, il y a un onglet avec marqué publication et il y a toutes les publications avec le lien qui renvoie soit à l'ouvrage, si c'est des ouvrages collectifs, soit aux articles de revue. Alors, par contre, c'est en français ou en italien pour l'instant. Peut-être bientôt, ce sera en anglais. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait en espagnol. Mais les articles, par contre, sont tous publiés en français pour l'instant. Voilà. Después está una pregunta que trae Lorena, pero que también estuvo en el chat también. ¿Qué edad tenía él al inicio del tratamiento? Alors, les enfants, je les ai pris à partir de 3 mois. Donc, à partir du moment où ils tiennent leur tête tout seuls. Et le dispositif a été pensé donc à partir de 3 mois jusqu'au premier pas de l'enfant. Donc, entre 12 et 15 mois selon les enfants. Acá tenemos también la pregunta de Patricia. Si podría hacer recomendaciones bibliográficas para profundizar en el tema. Creo que más allá de los artículos, ¿no? Y la tesis, ¿qué otras recomendaciones podría hacer? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez... Il y a les travaux de Benoît Lesage. Bon, je l'ai beaucoup cité, mais qui moi m'ont beaucoup beaucoup aidé pour penser et pour construire tel quel le dispositif. Alors, il y a les travaux, c'est plutôt si le lien voilà entre la danse. Alors, elle a fait des travaux plutôt avec des ados, mais pour ceux qui travaillent aussi avec des ados, c'est Catherine Yelnik aussi qui a beaucoup écrit autour de la danse au milieu hospitalier avec des adolescents. Après, à ma connaissance, enfin, en tout cas, les travaux sur lesquels je m'appuie, c'est beaucoup cela. Voilà. Ah, acá dice Patricia, ¿no? Quizás
podemos pedir a Lucía que los escriba, porque a veces nos cuesta un poco buscarlos, ¿no? No se entiende los apellidos, sobre todo. Oui, así que bien ya nos sûr. Puede pasar por el chat también estos textos. Bien sûr, bien sûr. Creo que no quedó claro, ¿no? Para Lorena, la edad de Eli, si él ingresa al dispositivo, con cuántos meses él tiene al inicio. Oui, 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 oui. Il avait 3 mois, oui. Yo tengo una pregunta en realidad. Genera mucha sorpresa este momento en el cual la madre es capaz de conectarse rítmicamente con el bebé. Alrededor de la sesión 22, si no me equivoco, vos me dijiste que había un cambio en este bebé que ya estaba como una libidinización de su cuerpo, pero la madre le faltaba esta capacidad de compartir rítmicamente con él. Quería entender un poco mejor qué hipótesis o si hay alguna lectura de la producción fantasmática, si había algo en relación a la violación que ella había sufrido, o qué sucede en ese momento para que ella se disponga a como decía Víctor Guerra, ¿no? Esta capacidad de una ritmicidad compartida. Je pense qu'il y a, il y a la question de la répétition, d'une part, je pense, qui le fait de répéter les différents temps de semaine en semaine, permet qu'il y ait quelque chose qui puisse s'intégrer corporellement et psychiquement. Après, d'un point de vue fantasmatique, il faut savoir que cette femme-là aussi, elle était en prise en charge en thérapie individuelle pour traiter justement toute la question du viol. Et la progression, ça s'est fait en parallèle avec sa propre thérapie. C'était une maman qu'au début on n'entendait pas du tout quand elle parlait. Elle chuchotait, c'était incompréhensible. Enfin, on pouvait pas comprendre, on n'arrivait pas à comprendre, comme si elle articulait pas. Et au fur et à mesure de la thérapie, du dispositif et de toute la prise en charge à l'unité, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais à Cordance, il est né dans le cadre donc, d'une recherche universitaire dans une unité périnatale. Donc, c'est une unité de jour à part en bébé qui accueille des mères et des enfants. Et c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc avec des psychomotriciens, des orthophonistes, psychiatres, voilà, il y a plusieurs prises en charge et accordance faisait partie de cette prise en charge globale. Donc voilà, pour répondre à la question, je dirais que c'est le cheminement qu'elle a pu faire à la fois toute seule d'un point de vue, pour élaborer cette question du lien, à la fois dans la répétition des sciences, du travail qu'on a fait, voilà, d'un travail psychocorporel qu'elle a pu du coup petit à petit transformer quelque chose de cet ordre-là. Exacto. Que es una especie de ritmo, ¿no? También, un ritmo de las sesiones. Exactamente. Patricia pregunta,
qué recursos musicales se utilizaron, si había música en parlante, música en voz o instrumentos. Alors, oui, alors la musique, c'était de la musique enregistrée. On n'avait pas les moyens d'avoir des musiciens, malheureusement, mais je pense qu'avec des musiciens, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, on l'a fait avec les moyens du bord. Donc, c'est des musiques enregistrées qu'on a choisies préalablement avec ma collègue. Alors, le début et la fin, c'était toujours les mêmes enveloppes sonores. C'était toujours la même enveloppe sonore. Donc, au début, c'était souvent des musiques instrumentales, un peu qui étaient, enfin, qui évoquaient un petit peu des sons. De la nature, donc des bruits du fleuve, par exemple, enfin, des musiques assez zen, ou alors comme instrument, j'utilisais beaucoup des musiques du hang. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi comme instrument. C'est un instrument en acier avec plein de petits. C'est un instrument à percussion qui fait je peux vous le marquer là, ça s'appelle comme ça. Qui permet qui crée des sons assez ronds et du coup moi j'avais envie voilà de créer une enveloppe sonore avec une musique qui soit enveloppante et non ce n'est pas le xylophone parce que le xylophone justement parce que le xylophone, ça donne des sons très hachés Kalimba, si. et très hachés, enfin, je n'ai pas d'autres mots. Et D'accord. alors que le hang, c'est vraiment un. Ah, d'accord. Et donc la musique de fin, c'était toujours la même berceuse. Que les mamans connaissaient parce qu'il y avait un groupe rythme et chanson au sein de l'unité et du coup elles connaissaient par cœur et du coup pour faire le lien j'ai choisi cette musique puisque voilà c'est quelque chose qu'elles connaissaient qui pouvait du coup se l'approprier et au milieu dans la partie du travail des appuis au sol et de la partie danse à la verticale. J'essayais de changer un petit peu de varier les musiques en changeant avec les rythmicités, avec les sonorités, en essayant, en proposant aussi aux mamans de nous amener aussi des musiques qu'elles écoutaient à la maison, par exemple, pour que ça puisse leur parler. Et voilà, par rapport à la musique. Muy bien. Vamos a plantear las preguntas que quedan, así hacemos en un conjunto y Lucía las contesta juntas. Primero de Patricia es sobre la cita sobre autoerotismo, Eros y autismo, ¿no? De Christine Lasnik, si ella pudiese explicar un poco. Noelia pregunta si la Díada continuaba viviendo con el violador durante el proceso. Y la última pregunta es acerca de la variable género en cuanto a la conceptualización simbólica de la madre hacia su hijo. Y ustedes como investigadores hacia el pequeño. Serían estas las tres preguntas para cerrar nuestro encuentro. J'ai pas compris. Elle a. D'accord, oui. Elle a deux non plus, j'ai pas entendu.
Et la deuxième question? D'accord. Alors, la question de l'auto-érotisme, ça demanderait vraiment des développements beaucoup plus importants, mais en deux mots, ce que je peux un petit peu dire de ce qu'a dit Marie-Christine Laznik, c'est que pour qu'il y ait un auto-érotisme, il faut qu'il y ait un autre. Un autrui. Et dans l'autisme, cet autre n'est pas là. En tout cas, il n'y a pas. Enfin, l'autre n'existe pas dans l'autisme. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'elle dit que auto-érotisme sans eros, ça devient autisme. Mais bon, encore une fois, ça demanderait vraiment des développements beaucoup plus importants. Par rapport à la question de la variable du genre, j'avoue, j'ai pas, enfin, je l'ai pas pensé comme ça. C'est une question qui est très intéressante. Moi, je sais pas trop quoi répondre parce que j'ai pas tout à fait compris la question déjà, je pense. Est-ce que peut-être vous pouvez la reformuler, la personne qui l'a posée, pour que je puisse un peu essayer d'y répondre. Et la deuxième, je me souviens plus. C'était toujours par rapport à Ellie. Ah Okay, oui, le mientras tanto père. pedimos Alors, a non, Eber en si fait, la puede mère, alors, le implementar père acá o aclarar. était au pays, est resté au pays, et la mère, en fait, elle a fui grâce à l'aide de sa mère. Elle est venue en France, elle a reçu, je crois, le droit d'asile. Enfin, elle a pu être reconnue comme demandeur d'asile, je crois que ça se dit comme ça, mais j'ai un doute. Et du coup, elle est plus en contact avec ce père, enfin avec son conjoint et donc le père de l'enfant. En tout cas, pendant la prise en charge qui est advenue en France, il n'avait pas de contact avec le père d'Élie. Bien, Eber no nos ha enviado la pregunta nuevamente y también ya hemos llegado a nuestro horario. Por lo tanto, lo que propongo, en fin, si sigue habiendo interés en contactarse con Lucía, podemos seguir proponiéndole también alguna otra actividad también. Me pareció muy interesante la propuesta. Un trabajo que creo que es muy necesario también, ¿no? En relación a estas situaciones de, por ejemplo, de violencia como ella plantea, donde el riesgo de los bebés, el riesgo a la primera infancia, requiere, ¿no? Un poco de invención, diría yo, de crear dispositivos, instrumentos nuevos para el abordaje clínico. Así que, bueno, felicitar primeramente a Lucía por la propuesta. Y también valorar que se trató de una investigación también, ¿no? Además de ser una iniciativa de abordaje clínico, también hacer como en la forma de una intervención, que es una investigación que nos permite
Bueno, este tipo de diálogo, este tipo de fundamentación teórica y eventualmente también a los que acompañan también pensar sus propios proyectos de intervención y investigación. Así que agradecer a Lucía nuevamente por la presentación, Merci a vous. agradecer a Marcela por la interpretación. Y agradecer a la presencia de todos que hoy no, nos acompañaron en este evento. Y bueno, seguiremos trabajando, los veremos en las siguientes presentaciones acá que organiza el SICPE. Un abrazo grande a todos. Merci beaucoup, Lucía. Et merci infiniment aussi à Marcela pour l'interprétation, pour la traduction simultanée. Un grand merci. Merci encore, Daniel, de m'avoir invité. Ça a été vraiment un grand plaisir et un grand honneur.